Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte de Saint-Valentin. Elle sera super simple à réaliser puisqu'il faudra pas grand-chose. Je vous ai mis toutes les mesures en bas à droite, comme vous pouvez le voir. Ma carte se composera donc d'une base blanche, d'un fond rouge, d'un deuxième fond, mais celui-là sera blanc, et pour finir, d'un papier imprimé. Et ce papier, je l'ai pris dans la collection À la folie de chez Toga. Ensuite, je vais utiliser ce petit cœur que j'ai peint en rouge. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir dans la vignette, c'est un cœur que j'avais trouvé en polystyrène chez Action au moment des fêtes. Et je suis simplement venue avec mon scalpel le couper en deux. Après, je suis venue embosser un tampon en forme de clé et je suis venue le découper en plusieurs fois avec le dies pour donner du volume à ma clé. Et ici, je vais utiliser des petites mailles pour relier la clé avec le petit cœur. Et je vais donc utiliser aussi une chaînette. Je pense n'avoir rien oublié de vous dire, donc je vais vous laisser en musique avec le reste de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Ma vidéo est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous a plu et vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!